Bonsoir à tous et bienvenue sur OL Place et OLNS, 18h, votre émission pour tout savoir sur l'Olympique, tout décrypter, tout connaître. Et bien sûr, nous allons revenir aujourd'hui, euh, mardi, avec euh, des invités, mais l'émission un peu spéciale. Je suis euh, quand même accompagné, je ne suis pas seul, je suis avec euh, Gaël Berger. Bonsoir Gaël. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Et euh, je commencerai par dire que j'aime beaucoup ton t-shirt. Est-ce que tu peux le montrer Ah ouais, très joli, très joli. Le petit t-shirt, elle euh... est à la boutique de l'OL, toi. Comment tu sais Mais tu me suis, je, je ne peux rien te cacher. Je connais toute ta vie, Cyril, tu le sais. Non, j'espère pas. Vraiment, ça, ça m'arrange pas beaucoup. Je l'ai dit aujourd'hui, voilà, émission un petit peu particulière. Le mardi, nous avons euh, des invités avec nous. Et euh, aujourd'hui, vous dites, voilà, je n'ai pas présenté encore les invités. C'est pour une bonne raison. Euh, nous avons eu des invités que nous avons enregistrés cet après-midi euh, avec euh, toi-même, Gaël, oui. euh, avec Vincent Ponceau et Xavier Pierrot. Exactement. On voulait euh, donner la parole à ces deux euh, dirigeants. Euh, important de l'Olympique lyonnais bien évidemment qui euh, bien ont dû euh, gérer la crise et ils vont nous l'expliquer d'ailleurs euh, dimanche soir à, à Marseille euh, évidemment. Donc euh, il était important que des voix officielles de l'OL se fassent euh, entendre et c'est pour ça qu'on a demandé à avoir euh, Xavier Pierrot et Vincent Ponceau euh, en, dans cette émission en plateau. Et euh, ils ont répondu favorablement et, et c'est l'interview que vous allez écouter dans quelques secondes maintenant. Voilà, leur emploi du temps ne leur permettait pas d'être en direct à, avec nous. Donc euh, l'enregistrement s'est fait cet après-midi. Euh, Vincent Ponceau qui est le directeur général adjoint de l'Olympique lyonnais et Xavier Pierrot qui est le directeur adjoint euh, en charge du stade du Groupama Stadium et de la LDLC Arena interview très instructive, leur éclairage était très important, c'était important aussi de, de leur donner la, la parole. Vous pouvez découvrir cette interview tout de suite et restez bien avec nous jusqu'à la fin, puisque après nous nous retrouverons pour les dernières infos. A tout de suite. Bonsoir Vincent, bonsoir Xavier, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce OLNS. Nous allons revenir sur tous les, les événements qui se sont passés euh, dimanche soir, et puis euh, depuis dimanche, bien sûr, nous allons revenir sur un, un peu euh, tout ça. Euh, Galberger, toujours à, à mes côtés. Euh, tout d'abord, la, la première question, euh, des nouvelles de Fabio Grosso, euh, tout simplement, comment va-t-il euh, J'allais dire il va bien, mais euh, ce n'est pas le terme qui est le plus adapté. Il est très marqué euh, physiquement d'abord, puisque comme vous avez pu le voir, euh, il s'est fait poser 12 points de futur. Euh, donc il est très marqué physiquement, il est marqué psychologiquement aussi, comme le reste du groupe. Euh, mais pour lui, euh, il a une mission à remplir et il, est, il est à nouveau focus là-dessus. Il y a un suivi forcément, ouais. j'imagine qu'il y a des médecins peut-être mmh. euh, différents. Donc euh, il y a eu des examens médicaux euh, hier, euh, il voit à nouveau un médecin demain et euh, comme tu viens de l'indiquer, il y a un suivi parce que... Il y a l'ampleur de la coupure qui a amené les 12 points. Il y a le fait qu'il est passé à deux doigts de perdre l'œil gauche. Il y a le traumatisme psychologique. Mais comme il a pris une bouteille entière, pleine, à une vitesse incroyable sur la tête, il y avait aussi un risque de commotion. Donc, oui, il y a un suivi là-dessus, bien évidemment. Oui, forcément, c'est pour vérifier s'il a des pertes de mémoire, des difficultés de la parole, etc. Donc, a priori, il n'y a pas de commotion. Mais euh, il est sous surveillance pour l'instant. Il est suivi. Et euh, le, le groupe autour, euh, pareil, a dû, euh, doit être un petit peu choqué aussi, on l'imagine Oui. Alors, je n'ai pas parlé avec tous les joueurs, tous les membres du staff, euh, parce qu'hier, on les a laissés dans euh, repos, mais en tout cas, pour ceux avec qui j'ai parlé, euh, oui, euh, choqué psychologiquement, ça, c'est certain. Euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une grande peur. Euh, parce que quand euh, tout s'est éteint, qu'ils étaient couchés, qu'il y avait tous les projectiles, parce que quand on entend certains parler de deux projectiles, trois projectiles, Xavier euh, va en parler, euh, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Il euh, y a eu un sentiment d'abandon aussi, parce que le car s'est arrêté, euh, parce que ben, le temps a été interminable, et euh, surtout il y a un grand sentiment d'incompréhension, parce que pour ceux qui sont à Lyon depuis quelques années, c'est pas la première fois, alors pas aussi grave, mais qui vivent ça. Et du coup, les joueurs, ils comprennent pas. Le joueur, le staff, ils comprennent pas que ça fait des années qu'on alerte sur le sujet que chaque, enfin, chaque année, ça se repasse pareil. Oui, parce qu'il y a des joueurs comme effectivement Anthony Lopez, qui font des déplacements à Marseille depuis plus de dix ans, Quentin Toulisso avec son lacazette, qui eux, les avaient fait, ils étaient mis en pause pendant cinq ans et qui reviennent. Et effectivement, j'imagine qu'eux se disent, bah, finalement, c'est une fois de plus presque. C'est une fois de plus, pourquoi il n'y a pas de réaction Pourquoi on ne protège pas les acteurs euh, voilà, donc euh, c'est incompréhension et c'est un mélange au milieu de tout ça, de... parce qu'ils ont pris conscience, hein, parce que quand euh, un événement comme ça arrive, il y a sur le moment, et puis on l'a vécu hein, le dimanche soir, les réactions euh, entre le moment, une heure après, n'ont pas été les mêmes, et puis il y a le lendemain et le surlendemain. Et quand, euh, la prise de conscience. La prise de conscience, et quand euh, Fabio euh, il vous explique, que, ben, en fait, la manière dont les projectiles arrivaient, ça l'a amené à tourner la tête, mais que s'il n'avait pas tourné la tête, euh, ben, le projectile le prenait différemment et peut-être qu'il perdait l'œil. Bon, voilà, il voilà, faut traiter ça. On va revenir sur euh, cette soirée, la façon dont vous, vous l'avez suivi, dont vous l'avez vécu, les différents éclairages que vous pouvez nous apporter dessus, puis les, les événements qui sont euh, arrivés depuis, notamment euh, la conférence de presse du procureur de la République de Marseille. Et euh, qui est revenu notamment sur le, le parcours, le changement de parcours avec ce, cette expression de guet-apens qui a été euh, utilisée. C'est donc Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille, en conférence de presse. Sur la notion de guet-apens, hein, vous disiez un groupe, etc. Euh, peu vraisemblable, mais enfin, on verra ce que nous diront les investigations, puisque compte tenu des travaux existants actuellement à Marseille, il ne s'agissait pas du trajet habituel que font les bus euh, visiteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé derrière par gagner, etc. Ça, c'est la première euh, chose. La deuxième chose, euh, comme il est, ce match est qualifié en termes d'ordre public d'un match qui peut être à risque, euh, l'escorte, bien évidemment, le bus euh, des supporters, pas des supporters, le bus des D'ailleurs, le bus des supporters aussi, mais le bus du membre des joueurs et du staff de l'Olympique lyonnais faisait l'objet euh, d'une escorte. Et je peux même vous indiquer que c'était une escorte renforcée par rapport à ce qui peut euh, se faire pour des matchs plus traditionnels. Une escorte renforcée par rapport à des matchs plus traditionnels. Euh, C'est pas ce qu'on a vu déjà. C'est pas ce qu'on a vu. Nous, hier, on a montré des images. Alors, après, je ne connais pas la, la, le dispositif habituel, mais on, a, on avait des images avec une voiture devant de police, une voiture derrière le bus des joueurs. Euh, Xavier, quel est le dispositif habituel pour un suivi de, 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 joueurs, de du bus du joueur Alors, Vincent l'a dit, on a à l'intérieur du quart ce dimanche des gens qui ont une grande expérience, que ce soit les agents de sécurité, les membres du staff qui ont fait plusieurs fois le déplacement à Marseille. Moi-même, ces dernières années, j'ai fait plusieurs fois le déplacement à Marseille. J'ai été euh, dans ce car euh, des joueurs et donc on a été surpris effectivement quand on a vu les images parce que ne serait-ce que les deux dernières années, on avait un nombre de fourgons euh, qui encadraient le bus bien plus important avec des effectifs euh, des forces de l'ordre à l'intérieur qui permettaient d'entourer le bus et de le protéger au cas où, alors que là très clairement les images le démontrent. On a deux motards qui ouvrent la voie et qui d'ailleurs n'arrivent pas à ouvrir la voie parce que l'une des problématiques c'est que le car a été arrêté parce qu'il y avait une clio grise qui gênait le passage et une voiture devant et une voiture derrière. Quand M. le procureur dit que ça a été renforcé, euh, bah, ils étaient bien cachés. Je ne les ai pas vus, en tout cas. Donc nous, le dispositif à Lyon, euh, il est... Xavier, on voit la, la voiture là devant voilà. qui arrête. Et là, l'escorte est arrêtée. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En termes de sécurité, quand vous avez une escorte, c'est justement pour éviter de s'arrêter. On le fait systématiquement. c'est On roule en permanence, même un peu plus doucement si vous avez des piétons ou quoi que ce soit, mais il ne faut jamais s'arrêter. Sinon, le risque de caillassage est très important, surtout dans un milieu urbain qui est difficile. On le sait, le stade vélodrome, son approche est toujours compliquée. C'est pour ça que les escortes habituellement sont très renforcés. Je suis désolé de le redire, c'était pas le cas ce dimanche soir. Puis après, on a un deuxième sujet, c'est le trajet. Euh, alors, je ne sais pas. si Sans doute que tout a été très bien fait, Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône le dit. Les parcours, on pouvait pas aller ailleurs. Mais là, vous passez à côté de zones de travaux. Il y avait les pavés, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des projectiles non je ne peux pas entendre que le dispositif de sécurité dimanche soir était euh, le meilleur en tout cas j'ai connu des dispositifs de sécurité même à marseille largement renforcés par rapport à ce qu'on a connu dimanche Donc Donc y a Hier soir, il y avait, on avait une supportrice qui, qui est intervenue dans, dans l'émission et qui nous racontait que sur l'autoroute, les sorties d'autoroute étaient fermées, que sur l'autoroute, a priori, il y avait une escorte, mais qu'au final, c'est ce goulot d'étranglement. Et, et là, les bus à l'arrêt. Alors, sur les joueurs, on a encore autre chose, mais on a parlé aussi de la sécurité dans le stade. C'était mal réparti, réparti différemment de d'habitude je ne peux pas répondre à cette question. Oui, je ne suis pas responsable des forces de l'ordre sur le stade Vélodrome. Ce que je sais, c'est que si on était au Groupama Stadium et à Lyon, on a une coordination de la sécurité entre pouvoir public et privé avec le club et nos sociétés de sécurité qui est très importante. On n'a jamais connu cette problématique, mais on n'est pas dans un stade urbain. Si maintenant le stade Vélodrome est un lieu où on ne sait pas garantir la sécurité des acteurs dans son approche, on est à peu près à 500-600 mètres euh, du stade, on est à 300 mètres du périmètre d'accès protégé qui est la zone sécurisée. Donc on est vraiment dans les derniers mètres à l'approche. Mais normalement, dans les derniers mètres, il y a quand même, alors je ne sais pas parce qu'il y a eu les deux versions, 4 ou 5 euh, unités euh, supplémentaires en plus des moyens locaux qui ont été mis en œuvre pour protéger. C'est des chiffres que nous n'avons pas euh, au Roupama Stadium. On est toujours en dessous. Donc s'il y avait tous ces moyens, c'est qu'il y a des vrais problèmes de sécurité. Mais en tout cas, ils n'étaient pas à l'endroit des caillassages. Vincent l'a dit, Gaël, Cyril vous l'avez dit hier à la réunion, on n'est pas en train de parler de deux trois projectiles. Il faut savoir que pour une vitre qui casse comme celle où était Fabio, mais comme des dizaines de vitres quand vous cumulez les incidents sur les 7 quarts, les 6 supporters et le quart des joueurs, sur Fabio, il faut un premier impact qui casse la première vitre, il faut un deuxième impact qui casse la deuxième vitre et ensuite vous avez effectivement une canette qui vient fracasser le visage de Fabio. Ça veut dire que le nombre d'impacts si vous cumulez tout, c'est plus d'une centaine d'impacts. Et vous avez des vidéos qui ont circulé avec un fumigène même qui est jeté. Oui, Qu'est-ce qui se voit. passe le jour où le fumigène il arrive dans le car et que le car prend feu -à, à un moment, si la sécurité n'est pas garantie autour du stade vélodrome, et on n'est pas sur un cas unique. Vous l'avez très bien relaté hier soir, il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais qui est concerné. Ça fait des années mmh. qu'on se plaint. Mmh. Ça fait des années. Il y a notamment dernière, une interpellation avec quelqu'un qui avait 27 fumigènes. Alors au stade, visiblement, oui, mais pas forcément sur les lieux, mais enfin, dans tous les cas, ce n'est pas normal de se balader quel... avec 27 fumigènes. Je vais rarement dans un stade pour voir un match avec 27 fumigènes. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cette personne, euh, mais c'est un... quelque chose qui se rajoute à, à l'absurdité de la situation. Ouais, après, vous ne pouvez pas empêcher une personne de venir à non. La question, c'est comment vous l'empêchez de faire euh, ce qu'elle souhaite faire avec ses 27 fumigènes. Et c'est ce que dit Xavier. Ouais. C'est que par rapport au passif... Euh, euh, et en plus, par rapport au parcours et de cette zone qui est difficile, comment, s'ils ont tout bien fait, ils n'ont pas pu renforcer cet espace-là enfin, Sur les images, on le voit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bus il est arrêté, en fait, le bus, c'est une cible. Il n'y a personne qui bouge. Et en fait, on laisse les joueurs, les entraîneurs seuls face à ça. Quoi. Et ça, ce n'est pas acceptable. Le procureur de la, de la République, lui, a, a déroulé euh, sa conférence de presse. Et euh, notamment, et, euh, pour lui, le, les premiers responsables, ce sont euh, les lanceurs. Et euh, au niveau de la sécurité, il n'a pas remarqué de défaillance. Il, il en parle. Les, le dispositif et la façon dont les choses me, me laissent à ce stade penser qu'il n'y a aucune défaillance. Et puis. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, quand, euh, évidemment, quand il y a des carences complètes, euh, moi, je, moi, ça me va très bien de chercher les responsabilités. Enfin, le premier responsable, c'est celui qui voit le bus des joueurs de Lyon qui se saisit de pierre, qui se saisit euh, d'un gène pyrotechnique. Et vous avez vu les états euh, des bus. Hein, dans la, moi, j'ai eu des photos dans la procédure. Donc, la responsabilité, c'est celle-là. Euh, les investigations se poursuivent. Et comme je vous dis, à ce stade, euh, je n'ai aucun élément qui me laisse à penser à une défense. Du système de sécurité. À ce stade, aucun élément. Alors peut-être qu'il y aura d'autres stades et qu'on découvrira quelque chose. Mais quand, quand j'entends ça, pour moi, ça veut dire, Cyril, ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alors si on ne peut pas faire mieux et qu'on voit le, le coach dans cette situation et avec ses conséquences-là, alors, euh, alors il ne faut plus jamais aller à Marseille. qu'on sait en, que ce n'est pas forcément en envisageable aujourd'hui. même par rapport à ce que dit le, le procureur de la République. Le premier, les premiers, mmh. pas le, pas celui qui a acheté. Les dizaines de personnes qui étaient autour des différents cars sont à condamner en premier, nous sommes d'accord avec lui. Il a tout à fait raison. C'est inadmissible quand on va à un match de foot d'arriver à des encadrements à imaginer, on part pas en guerre normalement. On va voir du sport. Donc il a raison sur ce point-là. Par contre, c'est pas celui, c'est pas un individu, c'est des dizaines d'individus. Et là après je te rejoins tout à fait Gaël. Je suis désolé mais la conclusion de dimanche et quand on écoute, je le redis Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, mmh. monsieur Darmanin et monsieur le procureur, tout a été très bien fait. On ne peut pas faire mieux. La conclusion, c'est qu'il ne faut plus qu'on aille jouer au stade Vélodrome. Si tout a été Sinon, bien fait, oui, qu'est-ce qui va se passer Ça s'entend. Et c'est n'est sure. pas nous qui le disons. Nous, on dit au contraire qu'a priori, l'escorte, elle aurait pu être renforcée. Mais visiblement, c'est pas le cas. Tout était très bien. Continuons le, le déroulé des faits. Le procureur, justement, est revenu sur ces faits et euh, le déroulé notamment de l'attaque. Du bus des joueurs, vous allez, euh, si vous manque des informations, c'est maintenant voici la voie officielle. L'effet commis contre le, le bus de l'équipe de l'OL. Hein. Ils arrivent au côté gagné, à peu près à hauteur du palais des sports, il y a un tunnel. À ce moment-là, le bus sans s'arrêter, qui est escorté par les services de police, est visiblement repéré. Et là, il y a un déchaînement de violence et les supporters environnants se saisissent d'un certain nombre d'objets. On a d'ores et déjà déterminé une bouteille en verre et les jettent sur le bus du staff et des joueurs de l'Olympique Lyonnais, la vitre avant. Comme vous l'avez pu la constater, est brisé euh, et Fabio Grosso euh, va être euh, sévèrement blessé, hein, puisqu'il va se voir apposer un certain nombre de points de suture avec euh, une blessure qui part euh, du, du front au-dessus de l'arcade sourcilière qui passe sur la paupière. À l'effet, aurait pu être euh, d'une gravité encore supérieure et qui s'arrête à peu près au niveau de la pommette. Une dizaine de points de suture et une ITT euh, que nous avons fait révéler hier soir hein, parce qu'on voulait quelque chose d'objectif de rapide et d'important, par des médecins se trouvant au stade, une ITT très importante de 30 jours. Euh, aucune personne n'a été à ce stade interpellée, hein, personne n'est en garde à vue du chef de l'attaque du bus euh, de, de l'Olympique lyonnais. En revanche, les investigations se poursuivent, confiées à la Sûreté départementale de Marseille, mais qui va travailler également, puisque c'est possible désormais avec notre code de procédure pénale, en délégation. Avec les policiers de la sûreté départementale de Lyon pour réaliser un certain nombre d'investigations et d'auditions. À ce stade, nous n'avons pas de plainte de l'Olympique lyonnais, mais de ce que j'ai entendu dire, ils entendent déposer plainte naturellement et ça sera l'objet de la poursuite des investigations demain. Nous avons en revanche d'ores et déjà été saisis par l'avocat de la Ligue de football professionnel qui nous a saisis de ces faits. Cette conférence de presse donc qui avait lieu hier, pas de plainte déposée par l'Olympique lyonnais au moment où le procureur de la République parle. Euh, messieurs, est-ce toujours le cas euh, Oui, c'est toujours le cas, euh, même si le procureur il est très bien informé du fait qu'on va déposer plainte. Euh, après, l'urgence de la plainte, c'est par rapport aux comparutions immédiates. Euh, comme pour l'instant, euh, concernant le bus euh, des joueurs et du staff, il n'y a personne qui a été arrêté euh, précisément. Du coup, il n'y a pas d'urgence en tant que telle. Pour nous, l'urgence, c'était de soigner Fabio, c'était de laisser le groupe récupérer. Le process, il est déjà organisé. Bien évidemment, le club va déposer plainte. Ça, c'est une certitude. Fabio va déposer plainte. D'autres membres du staff vont déposer plainte. Donc là, c'est en train d'être organisé. Je crois que la majorité des dépôts de plainte seront faits. Jeudi. Pour le club, ça sera fait avant. C'est juste un temps matériel d'organisation. Mais bien évidemment, on va déposer plainte contre X euh, afin que Monsieur le procureur ait un dossier solide pour continuer euh, son enquête. Euh, et. Euh, identifier les personnes, et quand les personnes seront identifiées, bien évidemment, on déposera plainte nominativement contre ces personnes-là. Je dis que ce sera une grosse journée, parce qu'il y aura aussi la commission des compétitions, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'émission et dans l'interview. On parlait du G sur le, le bus et sur Fabio Grosso, l'intitulé, c'est « violences volontaires en réunion avec préméditation ayant entraîné une ITT, une interruption temporaire de, de travail de plus de 8 jours et la peine encourue est de 10 ans ». Donc on ne parle pas de petits faits, voilà, c'est juste pour que les gens comprennent bien de, de quoi on parle, vous qui, qui écoutez, euh, voilà, on c'est des faits qui sont graves et euh, effectivement, voilà, la, la, la santé de Fabio a été mise en avant et c'est vrai que c'est la priorité. Et il sera entendu dans, dans les prochains jours. Et sur cet aspect-là, je pense qu'il faut aussi faire confiance, on verra l'issue, hein, mais à la justice parce qu'ils ont mis en œuvre des moyens et c'est la moindre des choses euh, importantes pour retrouver les personnes individuelles fautives. Euh, ils ont déjà fait des relevés ADN et... Euh, voilà, ça va vite et ils veulent frapper fort. Donc on verra la fin, mais euh, là-dessus, euh, euh, le procureur a pris contact avec nous très rapidement. Donc on, voilà, pour nous, notre souci, il n'est pas là, il est plus sur euh, qu'est-ce qui avait été mis en place en amont et qu'est-ce qui euh, doit être mis en place demain pour qu'on soit en tout Pour pas que ça se reproduise, pour voilà, que ça se reproduise. parce c'est ça. Bon, après, on peut imaginer qu'avec le nombre de personnes qui étaient présentes et qui ont lancé des objets... Difficile de tous les retrouver, mais enfin, j'imagine qu'ils vont quand même arriver à en récupérer un certain nombre. On espère. Ou alors, en fait. euh, là, il faut, il faut y mettre et... de la mauvaise volonté pour vraiment attraper personne, je pense. Revenons sur le, le cours de la soirée, puis ça nous permettra d'avoir votre éclairage et de comprendre aussi euh, certaines choses. On a les images de l'arrivée du bus euh, au stade. Euh, comment vous, vous apprenez euh, ces choses-là et, et euh, comment, comment, comment se déroule votre soirée je pense que le, ouais. le téléphone a sonné dans tous les sens, ça, ça devait courir un peu partout et... Euh... Quelle est la, la, la priorité dans ces cas-là pour comprendre la situation bon, La priorité, c'est de se coordonner. C'est la première des choses. Euh, on a un important dispositif qui est présent sur place. Euh, notre actionnaire majoritaire, John Textor, était présent. Le team manager, Julien Sokol, était présent. Notre DSS, Annie Saladin. Nos deux SLO étaient présents. Pierre Bidot, le chef de presse. Donc tout ça a été coordonné en local. Euh, Florent Dejean, notre directeur de communication, Vincent et moi-même, nous étions euh, sur Lyon. Euh, donc on passe rapidement en mode de crise avec les groupes WhatsApp pour pouvoir échanger justement et, et se coordonner. Euh, la première appel que j'ai eu, euh, moi c'est 19h, euh, 19h, 19h10, l'arrivée du car au stade. Et Annie Salada m'informe tout de suite euh, que c'est quelque chose de très grave qui vient d'arriver. Elle voit arriver le car. Euh, complètement éclatée parce qu'il n'y a pas que la vitre avant droite euh, qui a ramassé. Les agents de sécurité qui étaient reliés avec elle au toki sur les derniers mètres à son arrivée, elle avait déjà alerté de la situation. Parce qu'elle n'était pas dans le car. Elle n'était pas dans le car. Non, le non, non, préciser. elle n'était pas dans le car. Elle ouais. était au stade. Euh, on a deux agents de sécurité qui étaient présents dans le car avec la caméra embarquée. Euh, et là, on voit tout de suite le sang sur le sac à dos qui était à côté de Fabio Grosso et la tête ensanglantée de Fabio. Donc, elle a vite compris que les événements étaient très graves et qu'on n'était pas même si c'est déjà inadmissible et peut-être qu'il faudrait revenir un jour là-dessus, sur les dernières années, c'est toujours arrivé. Il y a toujours eu des caillassages, mais on n'a jamais rien dit parce qu'il n'y a pas eu de blessés. 2016, Moi, je me rappelle, on va je, revenir, je vous ouais. le redis, mais j'ai été dans ce bus, ouais. dans ce car les années précédentes, et on se faisait caillasser, mais c'est pas grave. Bon, Et eh bien là, c'est grave. On, Donc voilà, on a la, a, même la soirée a commencé comme ça. Hier, justement. on a même répertorié le, tous les événements qui sont arrivés de, depuis 2011. Euh, voilà, il y a une dizaine de, de caillassages au stade Vélodrome. Alors, pas que sur l'Olympique euh, lyonnais. Plusieurs, plusieurs clubs ont été impactés par, par ça, mais ça devient alors, une habitude, un rituel malheureux. C'est une catastrophe, mais euh, voilà, ça, c'est des, des, des images qui. Euh, c'est en 2016. Date de 2016. Mais. Euh, les clubs se font caillasser en arrivant à Marseille. Et pourtant, euh, les, le parcours change, le système de sécurité change, évolue, se renforce. Et on a encore ces situations. La différence, c'est que là, déjà grave. un joueur a été touché. Mais en fait, c'est toujours grave. Un entraîneur grave. a été touché. C'est toujours grave. À partir du moment où vous avez un jet de projectile, ça doit être sanctionné de façon forte. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelle sanction a été prise par la Ligue de football professionnel sur les différents caillassages que nous avons subis à l'OM Quand vous avez des canettes, des bouteilles en verre, qui tombe à côté d'Anthony Lopez pendant le match. Ce n'est pas grave, il n'a pas été touché. Désolé, à titre personnel, quand une bouteille plastique frôle un joueur, l'Olympique de Marseille, qui n'a pas de jour d'ITT, on arrête le match. On prend un point de moins au classement avec sursis, et on prend un huis clos ferme plus un huis clos avec sursis. Mais là, tant qu'on ne touche pas l'intégrité physique, ce n'est pas grave. Bah écoute, et maintenant, voilà, on voit très bien les images, vous vous rendez compte que ce match-là, il a continué. Ce match-là a, a, a continué. Il a, il a son Donc, malheureusement, et je le dis tel que je le pense, Anthony Lopez n'a pas, pas été touché, n'a pas eu de point de souture ce soir-là. 20 septembre 2015. Et à côté de ça, Dimitri Payet, date. on arrête tout. Je cherche encore ses jours d'ITT et ses points de souture. Mais ce n'est pas le sujet du soir. En l'occurrence, là, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, à chaque fois qu'on va à Marseille, avoir peur. Vous savez que quand on joue Marseille, ma journée, elle commence effectivement trois heures avant le match. Je suis prêt à répondre au téléphone au cas où. Voilà, vous me demandiez comment ça se passe. Trois heures avant le match, à partir du moment où les joueurs vont passer à l'hôtel dans leur dernier brief et monter dans le bus, je suis prêt à répondre au téléphone parce que tout peut arriver. Malheureusement, j'attendais cet appel. Et pour vous rendre compte, hein, je l'ai dit hier, faites attention. Voilà, on a les images de Fabio Grosso. Ceux qui sont un peu sensibles, c'est le moment de fermer les yeux ou de dire aux enfants voilà, de, de s'écarter un petit peu. Mais on a les, les images de Fabio qui, qui s'est fait recoudre et qui donc qui a des points de suture. Euh, les images parlent d'elles-mêmes, euh, voilà, là c'est immédiatement euh, en arrivant au, au stade et, euh, et l'image d'après c'est euh, le résultat où euh, on voit que euh, voilà, l'œil euh, est, est touché, on ne peut pas dire autrement. Donc cette, cette différence, les ITT, euh, là ils sont, ils sont réels et il n'y a pas de différence concrète entre les jets de bouteilles, seulement là c'est touché, ben, j'espère que ça fera une prise de conscience et qu'il va réellement se passer des choses. Enfin, aujourd'hui, on, peut... on reste sans voix, non Mais aujourd'hui, on, aujourd on ne si. peut pas. ne pas prendre de mesures. C'est impossible. Et on attend aussi, alors évidemment des pouvoirs publics, mais aussi peut-être de la Ligue, euh, de la LFP, euh, qui prennent des, des directives, des sanctions. On peut se tourner là vers, vers Vincent. Euh, euh, aujourd'hui, il y a eu un communiqué assez laconique. mais aujourd'hui, est-ce que la Ligue doit faire plus aussi dans ce dossier alors la position de la Ligue à l'instant T, euh, c'est que ce euh, sont des faits qui sont extérieurs au stade et donc qui ne sont pas de son ressort et que la responsabilité du club de Marseille n'est pas engagée. Ça, ça s'est traduit par le fait qu'on soit convoqué en commission des compétitions jeudi, oui. sachant que, je vous rappelle que la commission des compétitions jeudi, elle va d'abord euh, se positionner sur le fait de savoir si nous, on a un match perdu ou pas. Parce qu'on a, nous, au départ, émis le souhait de ne pas jouer. Enfin, on y reviendra, ça s'est fait en deux temps. Oui. Mais ça s'est terminé comme ça. Donc la commission des compétitions, elle doit d'abord déterminer si on est responsable. Nous ouais, C'est la monde à l'envers. Et si on a match là, perdu ou pas... On n'est pas très inquiet quand même. Enfin... Bah, on peut en parler après. Nous, on ne okay. l'est pas du tout, bien évidemment. Mais euh, ouais, il faut en tout cas compte. aller au bout du process. Ouais. Parce que des surprises, hein, ouais. là, on ça en a Ça reste aussi, une hein. possibilité, ah. en tout cas. Et derrière... La commission des compétitions, si c'est le cas, elle doit fixer la date du nouveau match. Voilà. Donc aujourd'hui, la Ligue, elle s'est positionnée comme ça. Par contre, on est convoqué pour les autres faits dont on parlera, ce soir, en commission de discipline. Mais Lyon est convoqué, et uniquement Lyon, en commission de discipline par rapport aux autres faits. Voilà. Donc la position de la Ligue, elle est claire aujourd'hui. Euh, nous, bien évidemment, on ne va pas se contenter de ça. Ça, c'est certain. Euh, parce que même si, juridiquement, on entend. Euh, que euh, le fait que ce soit à l'extérieur du stade, il euh, y a une responsabilité, en tout cas du club, qui peut poser question, puisqu'on est euh, dans le domaine, de, euh, domaine public et donc on relève de l'ordre public. Oui. Mais nous, aujourd'hui, avec tout ce qu'a dit Xavier, on ne peut pas accepter que d'un côté, euh, le, club enfin, le club visité n'est pas responsable. De l'autre côté, le, le, les représentants de l'ordre public nous disent qu'ils ont tout fait parfaitement. Et nous, on a un entraîneur qui a 12 points de suture, un groupe qui est marqué psychologiquement, et on a peut-être frôlé bien pire. Oui. Donc cette situation-là, elle n'est pas acceptable. Et j'ai envie de dire là, je suis pas de droit. Peu importe, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. Quand euh, Xavier l'a dit, nous, on a 60 000 personnes dans un stade, il y a un abruti qui jette une bouteille en plastique, euh, avec heureusement des conséquences pas graves. Ben nous, on a pris ce qu'il fallait. Euh, avec le point là, on ne peut pas se contenter que tout le monde se lave les mains de la situation et laisse la situation à l'État. — Surtout que la Ligue a quand même... Enfin pour moi, il y a aussi un préjudice dans l'image du championnat de France, du, du foot français. Et j'imagine pour en, en ce moment. — Bien sûr. D'autant en avec droits. la négociation des, des droits, euh, bien évidemment. Donc... Et puis il y a, et c'était dans l'édito de, de l'équipe de Vincent Deluc aussi, le côté légal et le côté aussi moral, quelque part. Et là on est aussi dans le, dans le domaine du, de la morale, finalement, pour la LFP, a priori. Et euh, d'expérience, euh, quand la morale est touchée, en général, on trouve les euh, moyens juridiques d'intervenir. Et donc nous, c'est ça qu'on veut obtenir. Donc nous, ce soir, en commission de discipline, on ira pour le sujet qui nous concerne, mais on va poser le sujet et on ne va pas se contenter de ça on va engager d'autres procédures, mais on ne veut certainement pas que tout le monde se lave les mains de la situation et dise bah, nouveau match le 6 décembre et point barre. Voilà. Oui, parce que ce n'est pas un seul caillassage, hein. on parle de Fabio Grosso, on parle du, du bus des, des joueurs et du staff, mais c'est aussi euh, les supporters qui se sont fait euh, caillasser et euh, le procureur de la République, Nicolas Besson, est aussi revenu euh, sur ces faits. La deuxième affaire, hein, la deuxième procédure, toujours confiée à la sûreté départementale, concerne quelques minutes plus tard, arrive l'écart des supporters euh, lyonnais euh, qui eux, euh, subissant, passant au même endroit et subissant la même grêle, on va dire, de, de jets de projectiles divers et variés, euh, vont s'arrêter. Euh, et euh, les services de police présents vont procéder à deux interpellations. Euh, un homme de 22 ans cagoulé euh, qui euh, va jeter qui va être vu et interpellé après avoir jeté une grosse pierre euh, sur euh, un des cars euh, lyonnais. Euh, des supporters euh, lyonnais. Il reconnaît euh, sa responsabilité à ce stade. Je vous rappelle qu'à ce stade, il est toujours présumé innocent et nous donne comme version euh, le fait qu'il a lui-même reçu un projectile lancé par les Lyonnais et qu'il n'a fait euh, que euh, riposter. Nous avons une deuxième personne qui a été interpellée. Euh, un homme de 50 ans euh, qui est lui aussi actuellement en garde à vue et qui a été vu et interpellé par les services de police alors qu'il jetait un fumigène à l'intérieur du car ou en direction du car qui faisait l'objet du caillassage en règle. Euh, lui aussi reconnaît sa responsabilité, lui aussi à ce stade reste présumé innocent et lui aussi nous sert la même version du fait qu'il a été lui-même victime d'un jet d'un fumigène par les supporters lyonnais, je peux me permettre par une analyse objective des faits, euh, autant pour le premier, je ne me prononcerai pas, les caméras de vidéosurveillance, autant il me paraît compliqué pour des supporters dans un car et dans un lieu fermé d'allumer un fumigène, ne serait-ce que... Mais en tout cas, il reconnaît sa responsabilité et explique que c'est un tir riposte. Pas on connaît euh, cette défense, hein. euh, c'est pas moi, c'est les autres. Voilà, Je, je faisais ça quand j'étais à l'école maternelle, depuis euh, j'ai arrêté. Oui, et puis là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne quand même là, dans je le pense cadre. Là, voilà. on est à un autre niveau. Mais euh, donc, deux supporters arrêtés, euh, ils parlaient des, des caméras de surveillance, je pense, qui ont fait, le, qui ont joué leur rôle pour euh, expliquer la, la situation. Euh, c'est notamment pour ça qu'il y avait urgence du dépôt de plainte de... Si je lis entre les lignes, ce n'est pas les caméras pour l'instant qui ont parlé. Pas encore. Ça a été pris en flagrant délit plutôt par les forces locales présentes autour des cortèges. Mais oui, il y avait urgence des dépôts de plainte concernant les supporters, puisque les personnes vont passer en comparution immédiate, ce qu'on appelle, je pense que le jugement aura lieu aujourd'hui. Donc là, il y avait une urgence, mais maintenant, les caméras vont parler. De la même façon que les faits qui nous sont reprochés vont aussi être travaillés avec la vidéosurveillance. Ça demande du temps, c'est ce qu'on explique à chaque fois. Mais et la vidéo, normalement, quand c'est bien travaillé, j'espère qu'on aura des, des bonnes images, euh, devrait permettre, on l'espère tous, d'avoir beaucoup plus d'identification que seulement euh, deux individus. Oui, parce que là, il y a aussi les réseaux sociaux qui. Alors, ce n'est pas les vidéos surveillance de la ville de Marseille, mais ça peut fonctionner aussi quand on voit ce genre d'image. Eh, on voit quand même aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont euh, ni cagoulées, ni avec des casquettes. Attention, attention. On attention. peut aussi euh, en. Enfin, moi, mais tout, tout le monde n'est pas. pas responsable, bien je sûr. Je vous hein. ai tous regardé, euh, j'ai l'habitude de travailler oui. les images. Là, sur les images des réseaux sociaux, vous êtes. Suffisant incapable d'identifier la okay. moindre personne. Parce qu'identifier, ça veut dire voir son visage et en même temps voir le geste qu'il fait de lancer un projectile. Donc je pense que cette zone-là est sous vidéosurveillance de la ville de Marseille. Laissons-les travailler. Le procureur a l'air, comme Vincent l'a dit, de prendre le dossier en main. Et on ne doute pas qu'il y aura beaucoup plus d'identification et qui seront suivis de condamnations. Mais à date, effectivement, s'il y avait eu un très gros dispositif de sécurité autour du passage du quart des joueurs et des supporters, deux interpellations en flagrant délit. Par contre, moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité, mais juste par bon sens, j'aimerais bien qu'on m'explique. Il y a un bus de, donc, avec des joueurs et un staff qui passe, qui se fait caillasser, avec un blessé grave, euh, avec des gens donc, qui prennent des projectiles. Et derrière, il y a quatre, quatre bus. 20 minutes après, 10, 20 bus, minutes après, 10, de 10 bus de supporters qu'on fait passer au même endroit, <laughs> avec encore plus de monde pour les caillasser. Non, mais. Et là, y a, y a, y a, quand ils parlent de dispositifs de sécurité appropriés, ils se foutent de nous, c'est pas possible. Les images parlent d'elles-mêmes, vous les voyez actuellement. C'est vrai euh... que là, on se dit qu'on a eu ces images-là, alors en sachant que Fabio Grosso a été euh, blessé avant, c'est vrai que ça paraît assez fou. Je... Un point qui est quand même ultra important, euh, parce qu'on se concentre sur Fabio Grosso et c'est normal. Il est gravement blessé, il est choqué, il a 12 points de suture, et je ne sais pas par quel miracle. On n'a que 15 blessés légers parmi les supporters lyonnais. Je ne sais pas quel miracle il s'est passé. Mais il ne faut pas... Voilà, merci. C'est l'image que j'attendais. Ça, c'est un car. J'en ai trois dans le même état qui n'ont pas pu rentrer sur Lyon. Les supporters lyonnais sont rentrés avec des cars de la ville de Marseille, affrétés, réquisitionnés par la préfecture de police des Bouches du Rhône. Ils sont partis à 2h30 du matin du stade Vélodrome pour entrer à 6h30 du matin à Lyon. Il y a trois autres cars, ils sont rentrés avec du carton sur les fenêtres. Donc on en a six qui ont été lourdement impactés. On n'a pas pris toutes les photos émises sur les réseaux sociaux, mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a sept cars qui ont été défoncés. Le procureur a parlé de guet-apens. Je suis pas loin de le rejoindre quand même. Vincent l'a dit. Comment on peut expliquer qu'un car... Se fait agresser de façon très importante. Et 20 minutes après, vous envoyez 10 quarts où vous savez que dedans, il y a 550 ultras sur les 600 supporters, au même endroit. Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, ça se comprend. Et en préparation, ça, je voudrais quand même, parce que je suis un peu dur avec madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, parce que je ne peux pas être d'accord sur le dispositif de sécurité, mais elle avait essayé de préparer ce déplacement. Elle avait pris ses responsabilités en nous autorisant comme le préfet du Rhône de police du Rhône de l'année dernière l'avait fait pour les supporters marseillais de laisser venir 600 supporters marseillais à Lyon l'année dernière et 600 supporters lyonnais à Marseille cette année. Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment. On a même fait pour la première fois en plus de 25 ans de carrière à l'OL, j'avais jamais vu ça, on fait une réunion le lundi avant le match où on met autour d'une table par visio les représentants des associations de supporters de l'Olympique de Marseille. Il y en manquait deux. Peut-être qu'il faut chercher aussi par là, le guet guet-apens et puis les représentants des associations de supporters de l'Olympique lyonnais, qui devaient s'engager nous d'être au rendez-vous escorte et de pas aller en ville, oui. ça a été tenu. Ils étaient au rendez-vous escorte, ils ne sont pas allés en ville. Et les associations de supporters de l'Olympique de Marseille devaient s'engager à respecter le déplacement des supporters lyonnais. Je le rappelle, il y avait deux associations de supporters qui n'étaient pas présents à cette réunion. Les 600 supporters sont tombés dans un piège. Genre on ne peut pas dire autre chose. Et merci qu'il n'y ait eu que 15 blessés légers quand on voit l'état des cartes des supporters lyonnais. On peut les donner les deux groupes de supporters non, absents Je ne les ou on pas. pas, je laisserai okay. le Marseille s'exprimer là-dessus. Il euh, y a des PV de réunion qui existent, euh, ça a été clairement fait. La préfecture des Bouches du Rhône a sa façon de gérer, je la laisse gérer. Moi, je suis sur les actes et sur le bilan. Euh, voilà. On sait que nos supporters ne pourront plus aller euh, à Marseille pendant de nombreuses années, on en a conscience, la réciproque sera vraie. Par contre j'entends sur certains médias le fait que parce que les supporters lyonnais sont venus, il s'est passé ce qui s'est passé n'est pas possible. ça fait des années que ça se passe et pendant des années il n'y avait pas de supporters lyonnais. Donc ne mélangeons pas tout euh, monsieur Courbis, je ne peux pas laisser passer ce qu'il a dit. il euh, n'y a aucun lien entre l'attaque du quart des joueurs de l'OL et le fait qu'une demi-heure après, il y a des supporters lyonnais qui vont passer au même endroit. Il n'y a, a aucun lien. Donc euh, soyons sérieux, les faits sont graves. Il oui. faut rester sur la justice, qui doit faire preuve d'une exemplarité sans faute, la morale, comme tu l'as dit également. Mais restons sérieux sur un sujet aussi grave. La justice, euh, dégradation en réunion, c'est 5 euh, ans de peine encourue. Et jet de projectiles présentant un danger, c'est 3 ans, en plus voilà, de. De la peine dont je parlais tout à l'heure de, de 10 ans. Euh, on parlait de vous parliez de, de, des attaques qui sont répétitives. On les a listées, euh, ces attaques de, depuis euh, depuis 2011. Euh, hein, bon. C'est pas exhaustif, mais C'est pas exhaustif, mais voilà. Hier, on s'était penché sur, sur ce dossier. Euh, février 2011 euh, face à Saint-Étienne. Enfin, Saint-Étienne qui se déplace à Marseille. Euh, C'est la, la première qu'on a répertoriée jusqu'à octobre 2023. Ça en fait une dizaine euh, sur 12 ans. Saint-Étienne, c'était après le match, d'ailleurs. C'était le bus Des joueurs, mais c'était après le match. Mais parfois c'était les supporters, parfois c'était l'équipe. Euh, en tout cas, on voit que c'est parfois l'OL, Paris, Saint-Etienne, puis parfois c'est euh, Strasbourg. Euh, alors, Strasbourg, c'était pas ça l'Atlético, Marseille, oui. mais c'est dans la ville. Alors, mais bon. Parce que c'est des attaques qui n'ont pas lieu dans le stade. Hein, on parle de choses qui se passent en dehors du stade. Hein. Mais surtout, Donc, on voit que c'est beaucoup. On oublié le bus des Chinois aussi, je crois. Ouais. Ah, alors, oui, mais si, si, non, c'était parce que c'est on a mis PSG. Mais c'était effectivement euh, un de ces... Alors, euh, pour la petite histoire, euh, il se trouve que les caillasseurs ont, tr ont, ont trouvé le moyen de se tromper de bus et qu'ils ont attaqué un bus de touristes chinois qui n'avaient rien demandé. En et, pensant que c'était Paris Saint-Germain. En pensant que c'était le Paris Saint-Germain. Donc voilà jusqu'où euh, l'intelligence voilà, de ces personnes. Si on est sur les petites histoires, rapidement, on mettait un cadreur d'OLTV pendant des années dans le bus pour faire des images d'éventuels incidents. Et on a quand même remplacé le cadreur depuis 2022, depuis l'année dernière, par une GoPro. C'est-à-dire qu'on sait tellement... Qui va se passer des choses à Marseille et les images que vous avez diffusées hier soir viennent d'une GoPro qu'on a installée sur le bus parce qu'on sait qu'à Marseille on va avoir des problèmes et qu'on souhaite avoir des preuves via l'image puisque ça c'est non discutable. On en est là aujourd'hui. On met des caméras pour avoir des preuves de ce qui va se passer au lieu de traiter les faits en amont pour éviter qu'ils se produisent. Là, voilà, la GoPro, voilà, GoPro qu'on a installée euh, qui nous permet de mieux comprendre et de dire là vous avez une escorte imposante. Alors j'ai fait tous les matchs européens de l'Olympique Lyonnais depuis 25 ans. Euh, J'invite Madame la préfète de police des Bouches du Rhône ou Monsieur le procureur de venir avec moi et de voir ce que c'est qu'une escorte imposante. Et Marseille sait faire, puisqu'on l'a eu euh, certaines fois ces dernières années. Et, et je peux rajouter même que, après le match, le départ de John Textor oui. s'est fait sous les caillassages également, avec euh, sa femme euh... Il y a eu effectivement des supporters euh, qui ont tapé sur le véhicule et qui s'en sont pris au véhicule dans lequel le John Textor et son épouse étaient présents. Voilà, ça finit bien la soirée. Il hein. fallait pas s'attendre à mieux en même temps. Oui, voilà. John qui n'était pas dans le bus des, des joueurs, sauf si je me trompe, un hein, pour venir et qui, euh, du coup, mais a, 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 malgré tout subi euh, l'attaque, on va dire, des supporters marseillais euh, lors de, sa, de son départ du Vélodrome pour lui. Le départ du Vélodrome pour, pour les joueurs s'est fait après un petit salut aux, aux supporters. Ils sont sortis euh, euh, du vestiaire pour, pour aller voir là, les, les quelques supporters qui étaient euh, dans, dans les tribunes. Euh, alors on voit Fabio qui, qui sort avec, avec son pansement. Euh, à ce moment-là, nous, on n'avait pas encore conscience pleinement de la gravité. Et notamment, Vincent, vous parlez tout à l'heure de, de suivi par rapport à une commotion ou un traumatisme crânien. Euh, C'est des... Des images qu'on peut, qu peut saluer sur le moment, mais qui, avec du recul, euh, on se dit c'est pas normal que ça, que ça arrive. Voilà, c'est des images qu'on qu qu peut dire, voilà, ils sont, les, sur, les supporters sont contents, mais ils sont attendus jusqu'à 2h30 du matin pour voir simplement des joueurs les applaudir. Comme les 65 000 autres personnes dans le SAD et ce qu'on a connu nous, euh, voilà. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher et on ne lâchera pas. Euh, parce que euh, il faut que les instances euh, réagissent à ça. C'est plus, plus possible de vivre ce genre de choses. C'est plus possible pour ce sport-là, c'est plus possible pour euh, ces acteurs-là, c'est plus possible pour personne. Je pense qu'il y a beaucoup, il me semble avoir aussi euh, euh, avoir vu des interviews juste après le match de supporters marseillais qui disaient que c'était inacceptable et que voilà, et tout le monde en a marre. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et en tout cas, on ne peut pas se contenter de... C'est pas dans le stade, donc c'est pas de la responsabilité. Et à côté, ben nous, on a fait ce qu'il fallait et oh, et c'est tout quoi. Oui, Gaël. Non, juste sur la sur la suite, euh, maintenant, il va y avoir donc jeudi euh, un certain nombre de des pots de pinte, etc. On, on l'a dit, la commission de, des compétitions qui va se réunir. Euh, quelle est la suite J'allais dire, je sais pas si on peut dire idéal, mais envisagée par l'OL. Aujourd'hui, parce qu'on sait que le match, alors a priori, j'ose espérer que le match ne sera pas perdu par l'OL et qu'il devrait donc être rejoué. Euh, Qu'attend l'OL de, de la réunion de, de jeudi concrètement, Vincent Alors, enfin, déjà, mais ça, je, je vais l'évacuer tout de suite parce qu'il n'est bien sûr pas question qu'on ait match perdu, vu ce qui s'est passé. Euh, après, nous, déjà, la première attente qu'on a, c'est que le sujet soit traité. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, enfin, on est en passe de ne pas le traiter. Donc juste de dire le match il va être reporté au 5 décembre euh, s'il n'est pas perdu. C'est la date envisagée aujourd'hui Non, je, je, non c'est un exemple. Décembre, ah, un okay. Décembre, okay. Le, ouais, le, le un exemple. schéma la, okay, okay. La, la, la jurisprudence classique c'est la première date disponible. Vu le calendrier européen de Marseille, Marseille euh, a priori ça ne peut pas être avant le 6 décembre. Donc nous ce qu'on veut déjà c'est que le dossier soit traité et que non pas tout le monde l'évacue comme ça. Donc nous on va engager un certain nombre de procédures et d'actions pour que le dossier soit traité. S'il ne l'est pas, bah on verra si on va plus, rien, plus loin et en dehors de, de cette structure-là. Si par contre ça l'est, euh, nous, notre souhait, c'est un peu ce qu'a évoqué euh, Xavier, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Et puisque Madame la Préfète dit qu'elle a tout fait comme il faut, puisque le procureur dit qu'il y avait euh, un dispositif adapté et que le résultat, c'est euh, le résultat qu'on connaît, bah, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas jouer à Marseille. Donc, faudrait jouer sur terrain donc autre. il faudrait jouer sur un autre terrain. Donc bien évidemment, nous, euh, le match, euh, on souhaite le rejouer. Euh, les joueurs, ils y sont pour rien. Euh, comme les joueurs de Lyon, ils étaient pour rien quand euh, la bouteille elle a été euh, lancée euh, au groupe Ama Stadium, même si on les a sanctionnés, eux, sportivement. Mais nous, ce qu'on veut, euh, c'est que la sécurité de nos joueurs, nos entraîneurs, elle soit garantie. Voilà. Et ça, la demande, je le dis comme ça, mais c'est quand même pas extraordinaire. Voilà, ça, oui, paraît ça, ça paraît tellement évident. Enfin, ils, sont, ils sont là pour jouer au foot et nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. Ça, enfin, enfin, je... se leur travail dans des bonnes conditions de sécurité, ah. tout simplement, tout comme, simplement. Euh, comme tous les gens qui, qui travaillent. C'est la base, voilà, pour les joueurs de foot aussi, mais euh, ça l'est. Euh, on a montré les images euh, des joueurs qui sont venus euh, voilà, applaudir et remercier euh, les supporters. Il euh, y a un dossier aussi qu'il va falloir euh, qu'on aborde et qui concerne nos supporters. Euh, le, le procureur euh, Nicolas Besson en, en a parlé dans sa conférence de presse et puis on, on en parle juste après une partie des supporters lyonnais se trouvant dans le parquage visiteur au niveau du virage nord dans, au stade Vélodrome euh, en, en direction des supporters marseillais, euh, fait un certain nombre de saluts nazis, hein, un certain nombre de personnes ont fait des saluts nazis et également euh, des cris euh, de singes simiesques hein, euh, à destination des supporters marseillais. Donc sur les qualifications retenues à ce stade, personne n'a été interpellé mais là aussi la sûreté des a été saisi de ces faits pour essayer naturellement d'identifier les auteurs, de les interpeller, de les poursuivre. Là aussi, un sujet important et extrêmement grave, j'ai envie de dire, avec une réaction de l'Olympique tout oui. de suite, Gaël. Et un, communiqué communiqué un communiqué qui, qui est mort hier. dès hier, on l'a lu hier, mais on va le relire. L'OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parquage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes. Euh, je rappelle que c'est la première fois que l'OL, dans un communiqué officiel, euh, écrit le mot euh, raciste. Donc euh, là aussi, euh, l'OL prend ses responsabilités par rapport à ça. Et là, je vais me tournais vers, euh, vers Xavier. Euh, Xavier, la première question est celle que tout le monde se pose, c'est comment se fait-il que ces individus puissent être dans le parquage de l'Olympique lyonnais dimanche au vélodrome. Tout d'abord, merci de me donner la parole sur ce sujet qui est éminemment grave également. Euh, effectivement, pour la première fois, on a employé le mot raciste dans un communiqué parce que les actes sont intolérables. L'Olympique lyonnais n'a jamais tremblé sur ces sujets-là. On essaye de faire le travail au quotidien. Maintenant, moi, je suis désolé, quand je vois Cyril, quand je vois Gaël Berger, je ne sais pas si dans 10 minutes, quand vous arrivez dans un stade, vous allez me faire des cris de singe. Vous allez tendre un bras, faire un salut nazi. Donc là, on parle. J'ai regardé les images de deux saluts nazis, de euh, une demi douzaine de personnes euh, qui imitent les singes. Et je le redis, c'est intolérable. Quel que soit le nombre, il n'y aurait eu qu'une personne, ce aurait été également intolérable. Maintenant, toutes les personnes qui disent mais qu'attend l'Olympique Lyonnais pour faire le ménage D'abord, il y a un travail de fond qui est fait avec les deux principaux groupes de supporters Lyon 1950 que je remercie. Également, je crois. Sauf erreur ma part, c'est la première fois qu'un groupe de supporters s'exprime à l'Olympique Lyonnais pour condamner ces agissements. On a le communiqué. Voilà, le communiqué qui est sorti hier soir de Lyon. On 1970. va le lire du coup, Xavier, puisqu'il est à, à l'antenne. Euh, bon, on va aller un petit peu sur le paragraphe qui nous concerne à ce moment-là, que les choses soient claires. Lyon 1950 condamne sans aucune réserve les gestes et/ou propos faits par certains et qui mettent à mal tout ce que notre groupe met en œuvre en interne pour prévenir ce type de débordement. Nous savons que l'OL mène un travail nécessaire pour identifier les auteurs. S'il s'avère que certains parmi ceux-ci sont cartés au sein de notre groupe, qu'ils sachent que plus jamais nous ne les accueillerons dans nos rangs. Aucune forme de politique n'a sa place au sein de notre groupe. Quand on travaille au quotidien avec les responsables de groupes de supporters, c'est ce travail qu'on fait avec eux, ensemble, parce qu'on les connaît, ces leaders, et ils sont aussi dégoûtés que nous de voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une partie médiatique qui profite. De ces incidents pour essayer de faire oublier toute la première partie mmh, on a Bien parlé. évidemment, ces incidents sont extrêmement graves. Et on va tout faire pour essayer d'identifier ces personnes. On est déjà en contact avec la DDSP13. On a porté plainte aux directrices de sécurité qui, pourtant, est revenue très tard de Marseille, était hier au commissariat de Mes euh, à la métropole de Lyon pour porter plainte sur ces agissements contre X pour l'instant. On attend les vidéos qui ont été réclamées à l'Olympique de Marseille et à la DDSP13 pour essayer d'identifier ces personnes. Mais je le redis, quand je vous vois tous les deux, je ne sais pas si vous allez faire des gestes racistes ou pas. J'en n'en sais rien. Et donc toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de réussir à mettre. Et les forces de l'ordre, j'espère qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Nous, on a la CNIL. Il est interdit, je rappelle, de faire de la reconnaissance faciale et peut-être à juste titre. Donc tous ces éléments-là font que c'est très compliqué. De réussir à identifier la demi-douzaine d'individus et de dire c'est monsieur, un tel, Cyril Maître, Gaël Berger qui ont fait ces éléments-là. Aujourd'hui, moi, toutes les images que j'ai vues, mais je n'ai pas encore les images de vidéosurveillance, ne me permettent pas de savoir qui a fait ça. Donc toute la difficulté est là. Si on était au Groupe Stadium, on remonterait au contrôle d'accès. on aurait. Là, aujourd'hui, on est à l'extérieur. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, si la justice, si les forces de l'ordre, si les enquêtes en cours, Permettre d'identifier un, deux, six individus, vous inquiétez pas, on sera présent. Et j'espère aussi que les pouvoirs publics et la justice seront présentes à nos côtés pour les condamner fermement. La... C'est inadmissible et on n'aura pas peur d'être au rendez-vous. La, la difficulté, elle est également sur euh, donc, la légalité, euh, reconnaître, euh, identifier les, les personnes et, et leurs actions, mais euh, aussi sur le fait que certains jouent sur la limite, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à être pénalement répréhensibles tout en diffusant euh, des idées qui sont nauséabondes. Moi, je reste sur ce qui est légal et pas légal. Aujourd'hui, imiter le singe, ce n'est pas légal. C'est un acte raciste. Il ne faut pas essayer de se cacher derrière des choses. Quand vous faites un salut nazi tel qu'on voit deux fois sur les vidéos des réseaux sociaux, ce n'est pas légal. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, on voit un étendard qui passe de façon furtive, qui n'est pas accroché au grillage de la mezzalion. Là, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible C'est une association qui n'est pas reconnue. Ce n'est même pas une association, d'ailleurs. Elle n'est pas déclarée en préfecture. Et elle n'est pas reconnue par l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça Il y a la morale, on l'a dit tout à l'heure, et on essaye de travailler, d'éduquer. On est sans arrêt au quotidien avec nos deux SLO au contact des groupes de supporters pour travailler dans ce sens-là. Et je trouve que le travail paye quand je vois le communiqué de l'an 1950. Et puis le nombre d'actes sur ces sujets-là, depuis quelques années, il est en forte diminution. On avait plus de problèmes il y a beaucoup plus de temps en arrière. Maintenant, il faut arriver à zéro problème. Il y a encore un travail à faire et on continuera. J'ai juste une question SLO, c'est euh... Pardon, supporter à liaison officer, c'est les deux personnes qui sont embauchées par le club et qui travaillent au quotidien dans la relation avec les groupes de supporters. Merci. Mais quel est le pouvoir vraiment du club Xavier si jamais on les identifie euh, demain, ce qu'on espère, ceux qui ont fait ces cris de singe et ces euh, saluts nazis. Euh, alors, il peut y avoir des interdictions de, de stade, j'imagine. Il peut y avoir euh, des poursuites pénales. Comment ça se passe concrètement et, et qui prend le relais Et quel est le pouvoir du club vraiment Alors, il y a trois interdictions qui existent. Hein, je vais faire très court. L'interdiction commerciale de stade, c'est celle du club. Euh, nous, on va pouvoir acter que ces personnes-là ne sont pas les bienvenues au Groupe Stadium et en déplacement dans les déplacements de l'Olympique Lyonnais. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Mmh. Par contre, vous avez l'interdiction administrative de stade qui est prise par le préfet. Et là, il faut absolument, parce que ça arrive rarement, qu'elle soit jointe avec du pointage pour que pendant les matchs, ces personnes-là pointent, sinon elles pourront revenir au stade. Et puis, en lien avec la plainte que nous avons déposée hier, vous avez la possibilité, mais via une décision de justice, de passer à l'interdiction judiciaire de stade. Et là, dans ce cas-là, il y a très souvent du pointage et c'est la justice euh, qui doit prendre cette extension-là. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'Olympique Lyonnais qui fait le premier travail et on est rarement suivi sur le reste. Et notre travail, il est très limité parce que nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à pointer au commissariat. Mais en tout cas, on a entendu, et on va le dire aussi, des, des supporters lyonnais qui étaient dans le parcage à Marseille et qui disaient, mais. Moi j'étais mal à l'aise d'être à côté d'eux, moi j'étais mal à l'aise finalement d'être associé à eux, parce que malheureusement il y avait 600 lyonnais, enfin, pas malheureusement, parce que c'était très bien qu'il y ait 600 lyonnais à Marseille, mais euh, malheureusement certains, après, sont mis dans le même panier que, que ceux-là, et c'est ça qui euh, souvent est intolérable et surtout insupportable pour eux. Pour Et ceux qui se déplacent. Et c'est aussi pour cela que notre réaction est très ferme, que ce soit via le communiqué, via la plainte, tout ce qu'on va faire dans les prochains jours. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. On parle de 6 individus sur 600. Euh, c'est 6 de trop. On aimerait être à zéro. Euh, maintenant, si des personnes peuvent nous aider à identifier les individus, parce qu'ils étaient dans le parcage, parce qu'ils étaient dans les cars, où j'ai entendu sur les réseaux sociaux, j'ai lu euh, a priori des échanges de mots qui ont eu lieu dans les cars, qui vont peut-être nous aider, mais qui n'hésitent pas à m'appeler, à appeler le club. On va écouter tout le monde. On a un process très clair. Donc, si des personnes souhaitent, parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'effectivement il y a un amalgame qui est fait, comme tu le dis Gaël, nous aider pour éradiquer ce fléau qu'est le racisme, qui n'hésite pas à prendre contact avec nous, le travail sera fait derrière. Nous allons terminer et conclure sur ces mots. Merci Vincent, merci Xavier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté tous vos éclairages sur les questions que Gaël se posait. Merci oui, On s'en posait beaucoup. On, on, et on a eu des réponses. Et moi. on se retrouve dans quelques jours. Merci messieurs et bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir. De retour sur le plateau d'OLNS, après cette interview enregistrée cet après-midi, avec des thèmes importants qui ont été abordés par Vincent Ponceau et Xavier Pierrot, que peut-on retenir de cette longue interview, Gaëlle ah ben, C'est à mon avis quatre choses. La première, c'est que... Ils ont répété à de nombreuses reprises que soit il y a eu un dysfonctionnement au niveau des services de police et de l'organisation et que donc la sécurité des Lyonnais n'était pas assurée à Marseille et qu'il serait donc dangereux de retourner à Marseille dans ces conditions-là. Donc il faudra voir si il faudra retourner au Vélodrome ou si le match sera joué sur terrain neutre. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que la commission de discipline se réunira ce soir donc pour. Les supporters lyonnais, qui a un risque de sanction euh, et, et le fait que les lyonnais ne puissent plus aller à l'extérieur en déplacement pendant, pendant quelques matchs, on verra ça. Ce qui, ce qui, devrait, euh, voilà, ce qui on, devrait arriver, ce qui devrait arriver normalement, très sincèrement, euh, oui et on ne pourra pas énormément se plaindre vu les raisons pour lesquelles on va être sanctionné. La troisième chose, c'est qu'il y a une commission des compétitions qui se réunira jeudi, et alors là c'est incroyable parce que ça on ne le savait pas et on l'a appris. La première des choses, c'est de statuer sur le fait de savoir si l'OL va avoir match perdu ou pas, en tout cas selon les textes, puisque l'OL n'a yep. pas voulu jouer, l'arbitre a dit je suis d'accord avec vous, on ne joue pas. Donc ce soir, il faudra, enfin demain, jeudi pardon, jeudi. il faudra que la Commission d'abord statue sur est-ce que c'était justifié ou pas, ou est-ce qu'on met match gagné à Marseille et donc match perdu à l'OL. Bon, franchement, il y a une chance sur 1000 milliards. Oui, c'est bien. Je mais trouve ça même cas. fou que cette possibilité existe. Mais déjà, qu'on se, ait... qu se pose la question, c'est incroyable. Qu'on se pose la question, c'est incroyable. Mais enfin, j'imagine que ça va être vite réglé. Et ensuite, il faudra déterminer la date, le lieu et les conditions. Donc le lieu, c'est au stade Vélodrome ou sur terrain neutre. Et les conditions, c'est avec du public ou pas. Et puis la quatrième chose, c'est, on l'a entendu dans les dernières minutes, Xavier Pierrot qui revenait sur des, des sanctions fortes, des, des mots forts concernant justement les supporters lyonnais. Il condamne, évidemment, avec la plus grande fermeté et tout sera mis en œuvre pour retrouver ces individus et surtout les, les expulser du stade à l'avenir. Des événements euh, qui, euh, qui vont suivre leur cours hein, voilà, jusqu'à euh, jeudi soir, la commission dont, dont tu as parlé. Mais euh, entre-temps, euh, le football reprend son cours petit à petit à, à l'Olympique lyonnais. Et euh, il y a eu entraînement aujourd'hui oui. euh, avec euh, notamment un, un mot des supporters. La banderole, bon établissement. Fabio, la banderole des supporters euh, lyonnais qui a dû faire chaud au cœur à... À Fabio Grosso qui était présent au centre d'entraînement, mais euh, qui a vraiment euh, regardé de loin hein, l'entraînement. Le, il est euh, très sincèrement pas en capacité aujourd'hui de diriger un entraînement de toute façon. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt Alexandre Fari par exemple qui a pris euh, l'échauffement. Euh, vous voyez euh, énormément de, de joueurs présents. C'était un groupe euh, au complet avec. Euh, Derrière la Rafaël Elongo, qui lui va beaucoup mieux pour le coup et qui a dirigé la séance d'entraînement aujourd'hui. Vous voyez Nicolas Tagliafico, Ashraf Laziri notamment, qui était présent. Les gardiens, bien sûr, avec Anthony Lopez, Rémi Rioux, Justin Bangui et Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens. Ça, c'est, j'allais dire, comme tous les jours. Et sous le soleil, ça faisait un petit moment. Et puis donc, le. Le petit exercice, alors d'abord de, de conservation, là il faut aller d'un côté à, à l'autre, euh, on voit que bon, certains mettent plus d'intensité que d'autres, on va dire, et puis un, un jeu aussi de, de conservation, mais cette fois-ci sur un terrain beaucoup plus grand. Surtout, le, le plus important pour le groupe, je pense, c'était de se retrouver après les événements qu'ils ont traversés. C'est des événements qui peuvent souder un groupe, mais en tout oui. cas, c'est une aventure commune qu'ils ont vécue. Et bah donc ce, que... ce premier retour à quelque chose de plus léger était important. Oui, bien sûr. Et puis, dans le, dans le drame que les Lyonnais ont, ont vécu euh, dimanche, euh, eh bien, malheureusement, il faut essayer d'en tirer euh, une force, si c'est possible. Et en l'occurrence, ce serait euh, d'avoir une équipe et un effectif encore plus euh, soudés. Euh, on peut l'espérer, euh, en tout cas, que les, les joueurs. On sait que leur premier réflexe, et Vincent Ponceau l'a dit euh, tout à l'heure, le premier réflexe, c'est qu'il voulait tout de suite jouer avant de se rendre compte euh, de la gravité de la blessure de, de Fabio Grosso. Donc, euh, espérons qu'il reste sur cette euh, impression-là euh, pour le match de dimanche, toute la semaine, et puis même sur le reste de la saison. La suite, ça sera demain pour connaître la suite des entraînements, la suite des événements aussi que nous allons suivre de très très près en attendant toutes les commissions qui vont statuer sur le cas de l'Olympique Lyonnais et sur le cas de Marseille et donc de ce match de ce dimanche. Gaël, on se retrouvera en fin de semaine pour parler oui, football. Oui, vendredi. Alors vendredi, on sera à deux jours du match de Metz. Il y aura eu les conférences de presse à, entre midi et deux. On débriefera tout ça. On vous donnera le Tiki Data de. Euh, évidemment, sam Charny. Bref, toutes les infos avant Metz ce sera vendredi, mais avant ça, il y aura deux autres émissions, bien sûr. Avant vous vous ça, nous, yes. nous reparlerons euh, Ballon aussi, et donc euh, de, 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 de tous ces aléas qui suivent euh, leur cours durant cette semaine, demain avec Yvon Marcelin et Mickaël Mouton. Donc, euh, je vous donne rendez-vous demain, 18h, pour un nouvel OL, OLNS. Bien merci sûr. Gaël, euh, bah, merci Cyril, euh, vivement, merci à tous. Vivement qu'on parle de football. Oui, exactement, vivement vendredi. Euh... Oh, je viens de passer deux émissions assez surprenantes, je ne m'y attendais pas depuis ces deux jours, mais voilà, c'est ça aussi OLNS, c'est les infos sur l'Olympique Lyonnais. on vous tient au courant. De tout, on se retrouve demain, 18h, avec Yvon Marcelin et Mickaël Mouton. Bonne soirée.